le coq du Jojo. Le Jojo, il a une belle basse-cour. Ah, il est fier de ses poules. Mais il est embêté, là, son vieux coq vient de mourir. Alors il se dit, il faut que je la remplace. Parce que sans coq, les poules, elles oublient de se lever le matin. Et puis elle le roisse, là, toute désœuvrée. Faudrait pas qu'elle me fasse une dépression ou un burn-out. Et vous savez bien, les poules, des fois chaponnent, des fois chaponnent pas. Alors bon, il décide d'aller à la foire de Maringues. À ce qui paraît, il y a des belles volailles. Arrivé à Maringues, personne, rien, pas une plume. Bon, il se renseigne et on lui dit, il s'est trompé du jour. Non mais des fois, il est un peu distrait, le Jojo. Enfin bon, il revient le bonjour cette fois-ci. Et il fait le tour de la foire, non pas à la recherche d'un coq, non, à la recherche de son coq. Un coq avec une crête majuscule, pour ainsi dire. Et il tourne, il regarde, il soupèse, il jauge, et il trouve pas. Ah, des coqs, il y en a. Ça, il y en a des tas. Mais soit ils sont trop gras, soit c'est des coqs fantaisie avec des plumes bigarrées, tu vois, que tu dirais des playboys de basse-cour, tu vois. Soit alors, ils ont un air idiot, que tu te demandes s'ils sauront faire la différence entre une poule et une canne. Non, le Jojo, lui, il recherche un coq vigoureux, un de ces coqs nerveux qui ont toujours plusieurs cartouches dans le chargeur. Il s'apprêtait à partir quand il aperçoit dans un coin un jeune garçon avec quelques poules à vendre et un jeune coq. Il s'approche, il dit « Ah mais c'est ça qu'il nous faut !» Le temps de marchander un peu, et voilà le Jojo qui repart avec son coq sous le bras. Arrivé chez lui, il dépose l'animal dans la basse-cour. Le jeune coq arrange ses plumes, sort son peigne, se refait une crête présentable et regarde autour de lui. Ouah, toutes ces meufs, comment je la kiffe, cette basse-cour. Ouais, parce qu'il faut que je vous dise qu'il est né au pied des immeubles dans la banlieue clermontoise. Il s'approche de la première poule. Oh, je vais la pécho, celle-là. Allez, viens, poulette. T'as le plumage qui déchire. Je t'emmène au 7e étage de ta barre d'immeuble. Et hop, hop, hop. Puis il va vers la deuxième poule. Hop, hop, hop. Et ainsi de suite jusqu'à la 20e et dernière. Et puis, il y a une chèvre qui passe. Il va vers la chèvre, et hop, hop, hop. Puis, voilà la fermière, il s'approche d'elle, et... Oh, oh, lui dit Jojo, non mais ça va pas, non, c'est ma femme. Et puis, pendant un instant, le coq a l'air d'hésiter. Et soudain, il tombe à la renverse, les ailes écartées. Alors, le Jojo s'approche, le touche, pas de réaction. Non mais qu'est-ce qui lui arrive? Il en a trop fait. Il s'est épuisé. Mais le jeune coq lui fait un clin d'œil et lui dit « Regarde là-haut, dans le ciel !» Et le Jojo aperçoit une buse qui tourne au-dessus de la basse-cour. Le coq lui dit « Reste à l'écart, laisse-moi faire. » Et tu vas voir ce que je vais lui faire à celle-là aussi. Seulement, voilà, ça se passe pas comme le coq l'avait prévu. Et le Jojo le voit s'envoler, suspendu au cerf de la buse. Le temps d'aller chercher son fusil, trop tard. L'oiseau est déjà loin. Alors, bien sûr, le Jojo a acheté un autre coq. Un gros coq. Mais il est un peu... Barjo, celui-là. Il faut dire que c'était la mascotte des supporters d'une équipe de football. Alors, habitué au troisième mi-temps, il chante jusqu'à plus de minuit. Alors, les voisins en colère ont beau lui jeter des vieilles chaussures ou des fruits pourris, rien ne peut l'arrêter. Et le lendemain matin, c'est les poules qui sont obligées d'aller le réveiller. Oh, puis c'est un sacré malin. Hein. Quand il a entendu dire la femme du Jojo qu'un de ses jours il allait passer à la casserole,
il s'est mis au régime. Et depuis, il a plus que les plumes sur les os. Un vrai squelette à pattes, quoi. T'es tout juste bon à faire un bouillon de poule. Ah, le Jojo, il pense souvent à son jeune coq intrépide. Et il le regrette bien. Et puis un jour, voilà qu'un chasseur lui montre un volatile qui vient d'abattre. Alors ça ressemble un peu à une poule, mais des trucs bizarres. Des serres, un bec crochu, une crête sur la tête. Enfin, les chasseurs n'avaient jamais vu ça. C'est comme un mélange entre un coq et un rapace. Alors, on voit le visage du Jojo s'éclairer d'un grand sourire. Son coq. Son jeune coq est bien vivant. Il a réussi !